Salut à tous, c'est SauceDream, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur ce nouveau Battle Royale d'Ubisoft qui s'appelle Hyperscape. Donc c'est un jeu auquel sur lequel j'avais pas mal d'a priori. Et au final je l'ai testé et il s'avère que je kiffe, mais je kiffe grave. Et là j'ai dû faire 30 ou 40 parties en tout là, pas sur ce gameplay je l'ai fait un peu plus tôt. Au bout d'une vingtaine de parties, je pense. Et vous allez voir que j'ai fait une plus 20 kills. Enfin, j'ai fait une... Ouais, vous allez voir. Et franchement, c'était assez intense. C'est pas mal, je trouve, pour un début de jeu. Surtout qu'au début, je galérais vraiment les 10 premières parties. J'ai eu un peu de mal à m'habituer, à savoir quelles armes étaient bien ou non. Quel pouvoir il fallait choisir, quels étaient les mieux. Voilà, la fin de zone j'aimais pas trop, genre le système de la couronne, mais au final c'est pas trop mal. C'est pas mal, j'aime bien au final. Il faut être assez... faut réfléchir pas mal sur le fait de prendre la couronne ou non, parce que des fois il vaut mieux pas la prendre, il vaut mieux la laisser soit à l'ennemi, soit la laisser tout court. Et finir en mode comme les autres BR, en mode top 1 quoi, on tue tout le monde. Au lieu de survivre avec la couronne, parce qu'il faut survivre 45 secondes, et si vous la prenez trop tôt et qu'il reste 10 personnes, vous êtes vraiment dans la merde. Donc voilà, le shoot aussi, enfin l'aide à la visée, la visée tout court, elle est un peu différente que sur Apex Legends, donc ça fait un peu bizarre au début de s'habituer. Mais on s'y fait, et vous allez voir que normalement j'ai des shoots pas trop dégueulasses, donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo va vous plaire, et si ça vous plaît n'hésitez pas à liker pour la petite performance des 20 kills. Je suis content de l'avoir fait sur ce jeu, bon. Je vais essayer de faire plus bien sûr, et si je fais plus, bah, je reposterai une vidéo. Donc moi je vous laisse sur la suite du gameplay, j'espère que ça va vous plaire. Allez, ciao. Attention, prudence participants, un secteur s'est effondré. Version finale. Parfait. Je vais suivre. Les secteurs vont s'effondrer. Seconde. C'est ça. Faut recharger. Attention, prenez garde aux secteurs effondrés. L'accélérateur de recharge va commencer. Soyez vigilants, participants. Les secteurs commencent à s'effondrer. Ligne de commande. L'événement accélérateur de recharge prend fin.
25 sur le champ de bataille. Attention, les secteurs vont bientôt s'effondrer. Commande. Ah, loupé. Ça va bien. Je dois recharger. Prudence, participant. Un secteur s'est effondré. Va commencer. Ah, c'est ça. Les secteurs vont s'effondrer. Attendez. L'événement caisse de matériel prend fin. Ligne de commande. Un secteur s'est effondré. Attends. Félicitations, participants. Il ne reste plus que... Soyez vigilants, participants. Les secteurs commencent à s'effondrer. Vous n'êtes plus que neuf. Faites gaffe. J'ai touché. Impossible, toute sa vie. C'est pas prêt. Encore huit. Je dois recharger. Vont s'effondrer. L'événement saut multiple va commencer. Encore 5 joueurs. Juste une seconde. Faites gaffe, faut recharger. L'événement saut multiple prend fin. Commence. Encore. Sur tension. Préparez-vous, participants. La couronne va apparaître. Je suis touché. Vous n'êtes plus que quatre. Seconde.
3 joueurs restants. La couronne a été récupérée. Ligne de commande. Let's go! Nice! La couronne a été lâchée. Oh là là, cette partie! La 20 kills! Elle est là! Yes, I! Je suis un monstre!